Le château de Voltaire se situe à Ferney-Voltaire, dans le pays de Gex, à la frontière franco-genevoise. Le domaine est pendant 20 ans la résidence de Voltaire, qu'il achète en 1758 et entreprend des travaux de rénovation. La rénovation de 2015 à 2018 permet aux visiteurs de découvrir l'intérieur du château. Au rez-de-chaussée se situent les pièces de vie. Le premier étage est destiné aux chambres des invités qui venaient en nombre. Le second propose des chambres pour les domestiques. Et le troisième se trouve dans les combles. Pourquoi s'installe-t-il dans un endroit isolé comme Ferney? Tout simplement car il est indésirable à la cour de France. Provocateur et engagé, ses écrits dérangent. Il faut donc trouver un lieu pour travailler sans subir de pression. Le philosophe vit en autosuffisance grâce à la diversité de son domaine. Le philosophe des Lumières, Voltaire, choisit Ferney en 1759 pour sa proximité par rapport à la Suisse. En effet, il est plus utile d'être à proximité d'un pays étranger en cas de problème avec l'administration royale.